lundi 8 août, on va faire dans le grand classique, on va faire marque-page et on va faire Christophe ensemble. J'espère que vous allez bien, que vous faites du diamond painting, du coloriage ou autre. Voilà, du scrapbooking, du diamond painting, du crochet ou autre. Donc on est lundi 8, on va faire le marque-page dans le grand classique, on va faire Christophe. Donc j'ai fait souvent auto-une marqueur que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc voilà. Donc on n'aura pas grand chose à faire ensemble. Donc on va prendre déjà la petite peau de Christophe, parce que Christophe est un peu beige. J'ai fait un beige assez fort. Donc tout derrière ce sera un bleu ici, rouge, bleu, on va voir. Je ferai peut-être plus joli dessus. Donc demain on fera pareil, grand classique, et on fera Tiana dans le grand classique. Je vous ferai montrer en fin de vidéo un grand classique. Voilà. Donc voilà, ça fait ça. Déjà, voyez un peu, hein, ça fait super propre. C'est mouflé, donc on peut pas. Alors, je vais regarder par rapport à Christophe. On va mettre Disney. Pinterest. Pour voir comment il est sur Pinterest. Alors, des fois il peut être bien, on sait pas comment il est. Ah, il est tout gris lui. Ouais, donc en fait il est à moitié gris. Donc voilà. C'est pas évident parce que bon, je sais qu'il a un truc rose rouge. Donc ça va être du rose, c'est du rouge. Rouge ici. Et ceci. Donc voilà. Tout son contour est rose aussi, rose rouge, on va dire. Donc ça fait ça. Après, il a les cheveux assez jaunes. Donc on va prendre un cantaloupe pour le jaune. Je regarde par rapport à une image de Pinterest. Sur Pinterest, vous trouvez plein de choses aussi, hein. J'avais trouvé ça, donc moi c'est sur ça que j'ai au niveau de la, comment dire, au niveau de la couleur, hein. Voilà. Alors, donc voilà, on a fait les yeux, on a fait les cheveux. Alors il est, alors on va prendre une image, on va essayer de, ah, il est bleu, hein. Sur le côté c'est bleu, on va prendre un bleu. Que sur ses manches, bien sûr. Ici, donc on va prendre un petit, c'est mieux. Petite mine, ça reste mieux. Donc ici, il est bleu. Sur son, ici, il doit être marron. Donc ça, son. Donc ici, il est bleu. En dessous, il est bleu. Là, il est un peu marron. Donc voilà. Donc voilà, on a déjà presque fait la moitié. Alors pour vous dire après, donc on va prendre, c'est, on dirait des trucs en 3D. C'est pas en 3D, c'est du. C'est, vous savez, comme les petits trucs qu'on avait dans les petits carrés. Ça ressemble à ça, et moi je trouve ça très très beau. Voilà, vous voyez, hein, ce que ça donne. Pardon, excusez-moi. J'ai jamais arrivé. Après, ça serait bien faire des autres couleurs. Donc demain, c'est Tiana, comme je vous ai dit. Voilà, ensemble.
Moi, mon objectif, c'est de finir les marque-pages. J'en ai encore plein à terminer. Donc là, on a déjà terminé le summertime. On va avoir presque terminé ceci. Et ça fait ça. Vous voyez, ça fait super beau, moi, je trouve. Après, on prendra du temps, mais c'est pas trop grave. Il faut mieux prendre du temps que ce soit beau et que ce soit bien fait en tout cas. Voilà, donc là on a ceci, là on fait ceci. Ça c'est des cœurs, ok. Non, ici, donc on a fait tout, presque tous les trucs bleus, non, presque. Hop. Voilà. Donc. Après, donc, je trouve que ça fait super beau comme ça. Après, pour le rouge, on va prendre ça. C'est comme un peu de la mosaïque, je trouve ça très très beau. Voilà, donc ça fait ça. Après j'aimerais bien mettre un orange. Donc pour faire le petit signe, il y aura trois styles de orange parce que je trouve que ça fait joli. Hop, voilà. Après mettre un rose. Rose comme ça. Comme ça. Pour non, pas en... C'est bien pratique, mais... Il a les yeux marrons. Ouais, de toute façon, il n'a pas le choix. Après, les petites. Donc, on a fait tout ça, déjà. C'est pas mal, hein. Vachement bien, hein. Enfin, j'adore. Je valide. Après, mettre un ouvert. Pourquoi pas les petits trucs là. Ça représente la vie. La vie de la terre quoi. Alors. Pareil. Ici. Ok, on a fait notre vert. Maintenant, on va passer à la couleur. Alors, moi, je mettrais plus un marron clair. Marron clair pour sa tenue, comme ça, bien sûr. Ça ressemblerait plus à ça pour sa tenue. Ça va faire super beau, moi j'adore. Ici aussi. Je vais vous montrer. Ça fait déjà ça. Thank you.
là. On va mettre une navet bleue. Donc après ça doit être du bleu, donc on a déjà fait, ouais là c'est du marron aussi, ça c'est le petit yeux qu'on a oublié. Voilà, un petit yeux de Christophe. Alors, on prend juste le bleu ici. Ça met du rouge sur le petit rectangle. Alors, rouge, on va prendre le rouge ici. Donc voilà, on a déjà fait ça. Après, ce qu'on va faire, il nous manque encore du orange un peu plus foncé. Non, on a déjà fait ça. On va prendre un orange plus clair. On laissera tout en blanc bien sûr parce que je trouve que ça fait vachement mieux. Voilà, ça fait ça. Les oreilles assez. Hop, on va faire ici. Ici. Après, je vais vous laisser là les gens, du coup, hein, parce qu'après on a terminé le dessin. Et demain, je vous montrerai comme ça fait ça. Je trouve que c'est trop trop beau. J'adore. Je vous montre le coloriage terminé. Donc voilà les gens. Voilà, voilà. Donc voilà les gens, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, un commentaire en dessous de la vidéo. Et n'hésitez pas à t'abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Je vous fais à demain les gens. Donc demain on fera Tiana. Un grand classique aussi. Je vous dis à demain les gens. Un pouce bleu, un commentaire sur la vidéo. N'hésitez pas à t'abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Je vous dis à demain les gens, salut.